plus besoin de toi, ma grande. Donc là, on est bon. Ça, je le range. On n'a pas d'autre de toute façon qui faisait de beaux dégâts. Lui, non, il faudrait qu'on monte. Ça va, on va se calmer. Lui, il faudrait qu'on monte, on va se calmer. Lui, on pourrait l'utiliser aussi, mais 128 de base. Ouais, on fait déjà un petit peu. 138. 138 et lui il fait 26. 36. On n'est pas loin. Oh, j'en reviens pas. Et donc ça donne quoi? D'accord. Ok. C'est cool aussi ça. J'aime bien. Alors, ici, je veux vérifier un truc. On va faire l'entremetteur, comme ça on va passer ça aussi. Voilà. C'est cool. Je vais faire passer tout ce qu'il a à vous dire. Moi je l'ai déjà lu une paire de fois. Vendre, on n'a rien à vendre. Non. Dupliquer, on peut pas. Cendre, on vient de le faire. Renforcer. Alors, ici, comment ça marche? Ok. Bon. On renforce nos sorts. Ah, est-ce qu'elle est déjà en B? T'es sérieux? Au niveau 3, il est déjà en B? Force E. Et ouais. Forge. Il en faudrait 6 de forge. Je vais peut-être aller chercher. Ok. Ah, je suis étonné. Ok. De ce fait, j'ai acheté. Là, il me reste quand même pas mal de runes. Ce que je vais faire, je vais vous laisser. Je vais aller faire le tour des marchands. Je vais voir tout ce que je peux acheter en pierre pour monter un peu les dégâts. Allez, je vous laisse. Re tout le monde. Je suis en train de faire le tour là des marchands. Je suis revenu ici là au niveau de l'Urnia, juste à l'entrée. Je sais pas si vous reconnaissez un peu. Là il y a le château, ici on est au niveau du marchand qui est juste en bas de la pente quand on descend pour arriver sur le lac. Je vous reprends ici parce que je me dis tant qu'à être ici, autant continuer et vous montrer encore autre chose. Alors je sais pas si je vais y arriver et en plus c'est risqué parce que, comment dire, le souci, c'est que je me trimballe une trentaine de mille de runes et là, franchement, je suis pas serein. Bon, allez, tant pis. On y va. L'aventure, c'est l'aventure. Si vous me demandez ce que je fais, je prends l'aggro. Mon but, c'est de passer ici, de récupérer la. Bah, je l'avais déjà récupéré la carte. Il semblerait que je l'ai déjà récupéré.
Bah alors? Ah, tu me fais quoi, papillon? Ah voilà. Et refusez de... Donc celui-là, vous le prenez. Je crois qu'on l'a déjà fait, en fait. Ah, manuel, pierre d'éclat. Ça se prend. On l'avait déjà fait ici? On était déjà venu ici? Non, je pense pas, pas avec ce personnage-là, non. Alors, on continue le long de la route. Comme vous voyez, il y a des balises qui vous indiquent le chemin. Faites gaffe, il y a des écrevisses. Ici, vous ignorez l'appel. Évitez à tout prix les écrevisses. Là, faites gaffe, la nuit, il y a un zozio nocturne. Un oiseau nocturne. Et sincèrement, il tape dur. Bon, alors là, faites gaffe, c'est un coin écrevisse. Et les écrevisses, à ce moment-là, elles sont mortelles. Vous voyez, regardez, elles laissent aller leurs antennes. Et dès que vous les touchez, vous allez pleurer. Ok, on l'avait pas fait, parce que sinon je l'aurais pris. On récupère les cartes. Alors ce site-là, surtout, je vous incite à le récupérer, parce que vous en aurez besoin pour aller à l'académie. L'académie, l'escalier est juste là derrière. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va reprendre ici la route, et on va contourner par ici. On passe là. On aurait pu passer sur le toit. Ah bah dis donc. Se passe quoi là? Je la vois en haut. On continue vers la pointe. On cherche. Hop. On avance. Voilà. Et là, on fonce. On n'a jamais assez de runes. Donc là, vous foncez, vous cherchez pas à comprendre, hein, vous arrêtez pas. Faites pas comme moi. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ici, pareil, prenez-le. Si vous mourrez, au moins, vous aurez moins à faire. On y retourne. Il y avait un truc là? Ah non, c'est un truc blanc. C'est un caillou. Donc là, c'est parce qu'il y a la brume, mais normalement, il y a les 4 beffrois qui sont juste en haut à gauche, à travers le pont. On va passer là-bas. Faites gaffe, il y a des écrevisses aussi. De l'autre côté du pont. D'ailleurs, il y a le dragon aussi qui est pas loin par là. Là, vous avez aussi, si vous voulez, encore un mébolite que vous sentez. Mais je vous conseille pas de le faire tout de suite, celui-là. Alors faites gaffe parce que ici, c'est un coin écrevisse, hein, comme vous voyez. Ils sont toutes là. Nous, on va faire le tour. Ici, il y a la flèche du sage avec une énigme où il faut taper encore trois bestioles. Sachant qu'il y en a deux en haut. Et il y en a une, faut contourner ici. Oula, je vais encore me faire électrocuter. Et il y en a une qui est cachée par ici, sur le côté là. C'est la troisième à trouver, c'est la plus dure. Je me suis pas fait toucher. Donc là, vous visez là-bas. Pour savoir si vous êtes sur le bon chemin et si c'est le bon terrain. Vous regardez sur le côté, il doit avoir deux pieuvres. Des pieuvres terrestres. Donc là, vous remontez. Si vous vous êtes pas trompé, vous arrivez sur une carte. Il n'y en a pas 36 de toute façon d'hôtels avec des cartes.
Il y en a, mais pas autant que ça. Donc voilà. Et là en face, vous êtes au niveau du domaine royal, les ruines du domaine royal. Donc là, vous attendez rien, vous foncez. Allez-y, allez-y. Faites gaffe, ça apparaît. Ça va vous shooter. Et voilà. Passage secret. Vous passez, vous arrêtez ici surtout. N'allez pas plus loin par là. C'est le château de Caria, il y a un piège. Vous allez vous faire shooter. Hop. On prend. On réinitialise. On va réinitialiser les ennemis. Parce que des fois ils vous suivent. Des fois ils se mettent de l'autre côté de cette porte là ici et ils s'amusent à vous sniper pendant que vous êtes en train de discuter. Donc méfiez-vous. Juste monter de niveau. Là je suis à combien? Ok. Donc pourquoi je viens ici? Ici vous avez IJ qui est aussi un PJ. Le frappez pas, c'est un gentil. Tous les géants sont forgerons hein, dans le jeu, donc ne le frappez pas. Tiens. Non, c'est le halo du site de grâce. D'ailleurs, ça me fait penser que là-bas, il y a un marchand aussi. Et il y a aussi une église derrière. Tiens, il y a une flèche, là. Non, c'est la porte de l'académie. On va lui parler. T'as raison. À propos de la forge. Ok, c'est fait. Y a rien d'autre à dire. Si, il vous avertit qu'il y a le piège. En fait, c'est un piège qui a été installé quand l'académie de mages l'a envoyé les chevaliers du coucou massacrer les chevaliers de Caria. Enfin, le château de Caria. Le domaine royal de Caria, plutôt. Donc, ils ont mis en place un piège pour leur éviter de pouvoir venir les tuer. Ok. Alors, acheter. C'est ça qui nous intéresse. Ah ouais, ça fait 24. Non, peut-être pas. Non, mais je veux pas ça. 6000. Ah mais c'est quoi ce truc? Attends. Hop, voilà. J'en prends un déjà. J'en prends un. Un aussi. Et un aussi. Je suis à 10 000. Si je veux renforcer. Forge. Forge sombre. Forge. 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 Le seul qui utilise de la forge sombre, c'est votre aile. Donc voilà, on va monter. Donc je sais pas si vous voyez, mais regardez, ça fait 87 en physique plus 10. Et si on le monte, ça fait 99 plus 12. Et en foudre, non, en sacré, ça fait 104 plus 24. Et si on le monte, ça fait 119 plus 30. Donc déjà, vous voyez la différence. Donc on va monter. Ensuite. Il nous demande forge sombre. On peut encore le monter. Forge sombre. Ah non, on en avait en fait. Ah non, là c'est une 3 qui nous demande. Donc on peut encore le monter. Donc là vous êtes déjà avec une arme qui est pratiquement dans les 300 là. Et enfin. Voilà. Là, il nous demande une 5, on l'a pas la 5 pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, vous la trouverez dans votre jeu. Donc ça, c'est fait. Ensuite, non. Ensuite, ah bah bien joué l'animation dans... Super. Donc là, les doigts. Est-ce qu'on peut les augmenter? Oui, on peut les augmenter, donc on va augmenter. On va augmenter. Donc, pierre de forge 2 qu'il nous faut. Il nous faut des pierres de forge 2. Et en fait, il nous en faut 4. On en a 3. Il nous en manque une.
On est déjà à un saut au niveau 5. Et il a déjà un bonus d'incantation de 137. Et au niveau des dégâts, il... Ouais, enfin non, les dégâts, on s'en fout. Mais par contre, il est toujours en scale E en force et B en foi. Donc c'est du bon scale. Donc vous voyez, et il nous reste 7000 et quelques. Donc si jamais on trouve encore des pierres de forge, on pourra peut-être aussi s'amuser à monter la petite épée, ou alors on attendra de trouver encore autre chose. Parce que pour l'instant, de toute façon, on a celle-là. Je pense qu'on va se concentrer sur celle-là. Ouais. Ah oui, puis après on aura encore autre chose à... Voilà. Donc ici, tant qu'on est là, il nous reste combien en équipement? Il nous reste 7274. Je vais pas prendre le risque de les perdre tout de suite. Donc ça, on va le remettre un petit peu plus tard. Là, d'ici... Voilà. Maintenant, on avance. Hop. On cherche pas à comprendre. On s'arrête pas. On saute. On passe au-dessus. On y va. On va aller voir un autre marchand. Parce que... Hop. Donc là, vous tournez sur la gauche. Méfiez-vous, il y a aussi des... Des pieuvres terrestres par ici. D'ailleurs, je crois qu'il y a une pierre là, pas loin. Mais alors, je sais pas si c'est une pierre de forge. Sombre. Donc là, vous longez. Hein. Vous évitez les loups. Le but est pas de vous battre. Hein. Là, pour l'instant, vous foncez. Vous allez aller juste à l'entrée. Il y a un site de grâce, normalement. Allez, on avance. Et juste à côté du site de grâce, vous avez un homme sur une chaise. Et dessus, normalement, il y a une pierre. Regardez, il est là. On le voit. On le devine. Hop. Voilà. On lui monte sur la tête. Hop. Eh. Spectacle de clown. Torrent, son nouveau numéro. D'ailleurs, je peux même pas l'attraper. Forge sombre 4, donc ça peut être utile pour monter des armes spécifiques. Hop les... Une fois que vous avez fait ça, vous venez juste ici à côté, vous voyez à l'entrée. Et vous prenez le site. Ça c'est fait. Ensuite... Hop, vous cavalez. Vous essayez d'éviter les gros concombres là, ou les gros œufs, je sais pas ce que c'est bizarre. Hop, hop, hop. On va passer entre deux. Voilà. On essaye de pas se faire one-shotter. Parce qu'on est encore dans un lieu où on ne doit pas être. On avance. On prend ici, on passe derrière. Faites gaffe ici, il y a un chevalier. J'aimerais bien looter son armure, mais bon, pour l'instant, on va passer à autre chose. Allez. Vous remontez. Hop là. Voilà, voilà. Ici, vous avez un marchand. Ah bah ouais, c'est vrai. Il vous vend pas. Par contre, il vous vend le bouclier avec lequel vous commencez avec ce personnage. Mais il fait que 50 en garde. Hein, donc, je vous le conseille pas. À la rigueur, achetez plutôt le bouclier que j'ai, là. Si vous pouvez le trouver. Prenez-le, parce que lui, il fait 51 en garde. Donc, il prend l'habitude... Enfin, il prend... Il prend l'ascendant. Tant qu'on y est, ici, il y a l'église.
L'église martiale. Vous prenez le site. On n'est pas venu pour rien, même si il n'y avait pas de pierre, puisque ici vous avez aussi une larme de vie. Et donc vous allez pouvoir améliorer. Alors on va pas le faire ici. J'ai rien oublié d'ailleurs. C'est vrai qu'avec mon build magie, j'ai carrément oublié ça. Je suis nu ici et je l'ai pas fait ça. Bon, ça rien, c'est pas grave. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Hop. Hop. Donc là, vous avez débloqué toutes les cartes de l'Urnia. Ouais, de l'Urnia ici. Et Nécrolimbe et la péninsule. Nous, on va revenir ici, au forgeron. Ok, on est revenu au niveau d'IJ. Je suis comment là au niveau de mon poids? Charge lourde. C'est pas bon ça par contre. Alors là je suis en charge lourde. Je suis encore en charge lourde. J'ai pas besoin de ça. Je suis en charge moyenne. On va rester comme ça. Ouais, c'est bon. C'est mieux. Bon. C'est là où on voit si on va perdre les 30 000. On fonce, faites gaffe, il y a un piège. Voilà. Restez au niveau des cailloux la plupart du temps. Ça vient pas sur les cailloux. À un moment, il va falloir passer de l'autre côté. Voilà. Là, maintenant, vous passez de l'autre côté. Vous allez sur les cailloux là. Voilà. Vous longez le long de la paroi. Et ici, vous prenez tout de suite ici. Comme ça, si jamais vous mourrez, vous serez pas loin de vos runes. Alors à partir de là, je ne pense pas qu'on peut réutiliser. Non, on ne peut pas l'utiliser. C'est ça? Non, on peut pas l'utiliser. Donc à partir de là, va falloir courir. C'est pour ça que je suis passé en charge moyenne. On récupère ça. Pierre de forge 2, c'est ce qu'il me fallait. Zut, hein. Je cours pas assez vite. Cours pas assez vite. Donc là, on se dépêche. Faites gaffe, va falloir rouler. Voilà. Première étape passée. Donc là, vous montez. Vous prenez le site. Une fois que vous avez pris le site, vous allez derrière l'hôtel. Là-bas, il y a une pierre. Ça peut vous être utile. Pierre de forge 4. Ça peut aider. Ici, je vous explique. Vous voyez, là, il y a la tour.